un brin de fantaisie au niveau du château d'eau. Mais là, je vais retomber sur la piste normale après. Hein. Ah, d'accord. Elle m'a plu le chemin depuis la dernière fois. Morfler bien bien. Voilà, là on rattrape la piste du tour des étangs. Et si c'est trop long, vous pouvez même couper au milieu sur la petite digue là. La piste est la même. Vous voyez, il y a un gars qui court en bas là, qui l'a traversé. Traversée intermédiaire droit. Moi je vais rejoindre le plateau par là en longeant là-bas. Partie ombragée et à l'abri plus ou moins du vent. Elle est vraiment agréable cette piste, hein, elle a été refaite, vous en avez déjà parlé, avant il y avait de la terre et dès qu'il pleuvait c'était pas la peine de venir. Voilà, j'arrive au bout de mon tour là, c'est juste à l'angle. Sinon, on retourne à fosse à droite là, sur la digue, pareil. L'eau est salée là. Hein. Et moi, je vais aller à gauche sur le plateau de fosse qui doit avoir un nom, je regarderai sur la carte. Tout à l'heure.